Le procès de l'ancien chef d'État tchadien Hissen Habré reprend à Dakar devant les chambres africaines extraordinaires avec les plaidoiries qui auront lieu du 8 au 12 février 2016. Hissen Habré ne reconnaît pas la légitimité des chambres africaines extraordinaires et refuse de se faire défendre par ses avocats devant le tribunal. Nous ne reconnaissons pas les chambres africaines, leur légitimité. Nous les considérons comme des institutions illégales et qui ont mené une procédure inéquitable. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé aujourd'hui de plaider devant le seul forum que nous reconnaissons, qui est celui de l'opinion publique sénégalaise, africaine et internationale. Hissen Habré sera donc défendu par le tribunal par des avocats commis d'office, ce que ses avocats n'approuvent pas. Ces chambres africaines ne deviennent plus qu'un peloton d'exécution en charge d'exécuter le mandat de l'Union africaine, avec comme seule résultante un procès politique. Le troisième événement fort a été la désignation des avocats d'office, des avocats des chambres, qui ont mené tout au long de ce procès ce qu'on appelle une défense de connivence, à défaut de quelques effets de manche de temps en temps pour faire asseoir leur prétendue légitimité. C'est la première fois que nous voyons la désignation d'avocats d'office avec pour mission de casser la stratégie de défense de l'accusé. Il était évident que le deal était que les chambres africaines ne pouvaient pas poursuivre quelqu'un qui les finançait. Ces chambres étaient en définitive structurellement les salariés d'un homme politique tchadien qui avait mené un coup d'État et qui n'avait d'autre objet que de poursuivre la liquidation politique et physique du président Habré. Comment se déroulera donc le procès de l'ancien président tchadien ? Une question pour le moment en suspens.